Salut à tous, c'est Motina55. Aujourd'hui, on se retrouve pour un autre match du deuxième tour pour le tournoi de la NDX. Et aujourd'hui, c'est assez spécial parce que, bon, déjà, il faut savoir que Tuarip et Zit vont s'affronter. Et forcément, c'est pas Zit en commentaire, c'est Adrien. Comment ça va? Enfin, Adrien, autant pour moi. c'est l'Italien du civil. Comment ça va? Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va, ça va. Et on a aujourd'hui recruté quelqu'un et c'est avec un grand plaisir qu'on reçoit Lorraine. Comment ça va? Salut, ça va, ouais. Eh bien écoutez, on va commenter à trois. C'est une grande Premier. une grande nouveauté pour ce match-là. Donc voilà, je pense qu'on va commencer. Alors il faut savoir qu'on est sur la map Ardat. On est en mêlée générale comme d'habitude. On est sur 30 points, le premier qui arrive gagne la manche, forcément, enfin gagne la partie. Et on leur a donné une bonne classe d'armes. Je pense qu'ils vont bien souffrir. Est-ce que vous êtes prêts? Il faut, hein? Il faut? Bon bah allez, c'est parti, let's go. Alors toi, l'Italien, tu suis Tuarip et moi je vais suivre un petit peu Zit. Il faut savoir que toi, Lorraine, tu vas suivre un peu les deux et tu vas naviguer entre les deux, c'est ça? Donc, Ah oui. vas-y, vas-y. Ouais, je vais naviguer entre les deux, ouais. Enfin, c'est comme tu veux, ouais. Alors. Alors c'est parti, je me... Ah merde, je suis en première personne là. Quel but? C'est... Je suis toute seule. C'est pas grave, c'est pas grave. Tant que tu joues pas, en fait, tant que t'es pas dans la partie, ça devrait le faire. Donc ne t'inquiète pas. Bon, en tout cas, je pense qu'ils vont bien rigoler avec les classes d'armes. On les a bien choisies. Hein. Allez, Zit vient de se ramasser une petite pelle. Alors par contre, je crois que j'ai une queue de merde. Faut avouer ce qui est. Et c'est trop marrant de l'avoir rechargé en fait. Je crois que ils vont hurler quand ils vont recharger. Ah là là, mais quand est-ce que ça va finir? En plus, on l'a même pas mis. Chaque fois après son kill, donc à chaque fois je le vois, c'est trop marrant. Ah oui. Ah oui, c'est. Ça va être énorme. Ils sont en train de râler là. Oh mais qu'est-ce qu'ils nous ont choisi là? J'ai envie juste de rigoler quand même. Lorraine? Ouais. Ouais, non. Ah, je suis perdu là, je sais pas comment mettre en spectateur. En fait, je vais le faire en même temps que toi. Tu vas tu fais start, Ouais. assignation auto et tu fais rond. Et normalement, Alors, tu vas. start. Là, je suis dans option. Changement d'équipe. Ouais. Changement d'équipe et tu vas en spectateur qu'il y a en haut, tu vois. Alors. T'as Spetnaz, Delta et Spectacteur normalement. Tu vas en Spectacteur. Est-ce que tu vois? Assignation auto. Alors, j'appuie sur rond. Voilà. Fais start, choix d'équipe. Ouais. Et normalement là tu vois ta Spectacteur en haut, je crois. Ouais. Ouais, Ouais, c'est bon. voilà, bah voilà, c'est nickel. C'est nickel. Dis-moi, j'ai une bonne question à te poser. Il est où, Xit? Xit, il est dans le tuyau. Comme Ah, d'habitude, il... ça Ah fait bah, il est mort. voilà. Enfin, oui. Vas-y, vas-y, dis. Tu disais? Et il est mort. Ouais, il est mort. Bon. Non, l'Italien, et toi, tu pensais quoi? Bah, tu vois, ça faisait, je sais pas, en fait, il tournait tout tantôt autour de la map et il le trouvait pas, donc il était peut-être un peu temps. Ouais. J'ai pas vérifié un petit peu les scores et là on est à... Oh, 3-2. Ça avance pas beaucoup. Hein. À mon avis... Oh! J'avais même pas vu moi. Moi non plus. Alors, Vive la surprise. je veux faire dire un petit truc vite fait dans cette vidéo-là. On aurait dû avoir un match entre Falco Ah ouais. Scud Toxique.
On a eu un petit souci. Déjà, premièrement, ça a été un petit peu de ma faute, j'ai envie de dire. On devait le jouer avant. Je le dis à cette vidéo-là parce qu'on on a fait un peu toutes les vidéos tout en même temps. Hein, donc, on essaye de faire en sorte que ça avance assez bien vu que la sortie de Black Ops 2 arrive très bientôt dans deux semaines. Dans deux semaines justement, donc du coup on essaye de faire assez vite. Donc Scud n'a pas pu se connecter quand on l'a invité pour faire son match et du coup on a pris comme abandon qu'il avait abandonné. On s'est dit bon bah, il a abandonné, on avait mis directement Falco en demi-finale. Oh, le joli cut là. Ouais, au passage, ouais, très très joli. Très joli. Dopage pour Jit, apparemment il arrête pas de se faire lyncher. Mais bon. Je pense que tu t'es bien vengé de lui par rapport à la classe qu'il t'avait fait, parce que là il est en train de se faire allumer, mais c'est exagéré. Je crois aussi. Bon, sinon pour en revenir vite fait pour Scud, c'est vrai que bon on l'a éliminé forcément, malheureusement, mais c'est un peu ma faute. C'est un peu ma faute. J'aurais pas dû prendre cette décision assez vite. J'aurais demandé s'il voulait refaire un match aujourd'hui. Ils m'ont répondu, Falco a répondu fair play comme il est, oui, il n'y avait pas de souci. Et Scud m'a expliqué le pourquoi qu'il n'était pas là. Tout simplement qu'il avait plus de connexion je vous explique pas toute sa vie, mais il avait plus de connexion internet et du coup il n'a pas pu venir et c'est pourquoi on a voulu recommencer aujourd'hui, mais sa connexion internet n'est toujours pas revenue, donc du coup il ne pourra point se battre. Voilà. Oh, le coup suicide. Ah oui, le coup suicide. Alors comme vous pouvez remarquer, on a quand même on a mis quand même condition extrême, assassin pro, rapport pro, concentration. Et ouais. Alors on a vu. Il est en train de s'énerver vite là sur sa télécommande, en train de cuter dans les airs là. Il est en train de jouer à Bruce Lee. C'est pour te montrer toute sa sympathie qu'il a envers toi. Tellement tu lui as donné une classe de merde, il cut le ciel pour te dire merci. Ah oui, oui. Mais je devais me venger, et d'ailleurs je m'excuse d'avoir perdu contre mon crâne. Crâne overdose, malheureusement. Mais toi et Zid, vous avez quand même bien choisi vos armes. Bonne enfoiré, franchement. Aussi, t'inquiète pas. Ah là là. Ah bon. Là, je pourrais pas me venger de toi, t'as déjà perdu. Je me suis laissé perdre, c'est pas le même. Oui, enfin, c'est façon de dire, laisser perdre, hein. Eh, j'ai fini Assassin 3, d'accord? Il est sorti hier, je vais de le finir. Oh. Ah, ça a rien à voir, Assassin 3 et Call of Duty, attends. J'ai quitté tout le reste de la semaine sur Assassin, je suis un fan inconditionnel d'Assassin, donc je toucherai plus Call of avant Black Ops 2. Bon, en tout cas, Zit est quand même en train de bien de se faire démonter. On est déjà à 18-4. Oh là là, la raclée, mais c'est énorme. Ça, c'est une belle vengeance. Oui, effectivement, c'est une grosse raclée comme on peut les voir. Ouais. Zit qui fait un kill. C'est bien joué, Zit. Pourtant, je vérifie sa connexion et pourtant elle est à peu près la même que tu as rip. Hein. Non, c'est très bien pour l'instant. Hein. Non, franchement. Zit s'énerve sur ça. Oh là là, il a. Oh, il s'est. Je pensais qu'il allait se suicider avec. Oui, j'ai cru franchement qu'il allait se suicider avec. Franchement, c'est pas passé loin. On aurait fait la deuxième fois. Oh, bien joué, tu arrives. Oui, joli, petite claque là, joli. Ah oui. Quand ils ont dû voir le viseur, ah les enculés, ils ont dû faire. Je pense aussi. J'aurais bien aimé mettre le casque pour savoir ce qu'ils disaient, mais malheureusement, je les ai mutés.
Oh, joli couteau de lancer quand même de Zit au passage. Faut l'avouer, hein. Il a pas beaucoup de kills, mais là, bien joué. Il remonte hein, doucement, mais sûrement, il remonte. Ouais. Il remonte tranquillement. Ouais, je sais pas vous, mais je sais pas, à mon avis, c'est pas trop remontable. Hein, là. Enfin, c'est possible, hein, mais... Rien à perdre. On est à 20-10, ouais. Oh, remarque. Pareil. Tu arrives la vue juste avant. C'est poussé juste avant. Et remporte encore ce duel là. Ah. Eh mais Lorraine, on ne t'entend pas beaucoup. Oh bah j'ai rien à dire. Mais c'est normal, il commence avec nous. Tu crois qu'elle va dire des tas de trucs? Attends. Elle pourrait. En plus t'es un Belge, t'es intimidant. Attends. Franchement. Mais quel est le rapport entre je suis un Belge? Mais parce que tout simplement, t'es un Belge, donc on sait pas trop quoi te dire, en espérant que tu comprennes bien ce qu'on te dise, vu que t'es pas franchement un Français. Avoue-le, t'es pas franchement un Français, t'es un Belge. Hein? Et alors oui, moi, bien Belge. Je suis fier d'être Belge. Exactement. Non, j'ai rien contre les Belges, au contraire. Heureusement, sinon je me demanderais qu'est-ce que je foutrais dans ta team. J'aime beaucoup l'accent belge. Ah, tu vois, Lorraine adore l'accent belge, tu vois. Tu vas me faire rougir. Ouais. ça y est, on va avoir... Je vais encore lâcher celui-là. Non, je le dirai pas. Ça semble bien. Alors, je vais regarder vite fait quand même les scores au passage. Oh, 23-14 pour Tueur Rip. Hein. Ça monte très vite pour Tueur Rip. Zid se rattrape un peu, mais est-ce que ça va suffire? On se passe. Wow. Rien à jouer. Allez, un point de plus pour Zid. En sachant que Lorraine, tu vas refaire un petit peu plus de vidéos avec nous prochainement. Ouais. Donc on se fera une bonne partie de MW3 très bientôt tous ensemble. Okay. Pour s'amuser et tout. Pas même pas au sniper. Non, pas au sniper. Pas de sniper moi. Non, moi le sniper ça... Moi je vous avoue. Les deux. C'est pas. L'italien est un peu plus fort au sniper, hein, j'avoue. Un peu plus fort, qui dit. Oui, un peu plus fort, ouais, d'accord. T'as de la chance, je te dis, Tass n'a pas participé au tournoi. Franchement, si Tass aurait participé au tournoi, ça aurait fait du mal. Mais non. Ah, ben si. Mais non. Tu ne m'as encore jamais vu dans mes grands jours. T'as jamais vu Tass? Ouais, je vais te dire. Ouais, aussi. Ouais. Ouais, tu m'as jamais vu dans mes grands jours non plus. Alors, pour ceux-là qui nous regardent et qui n'ont pas encore vu Tass, et forcément, on est au deuxième tour. Comme je vous ai dit, tout le monde ne peut pas passer. Malheureusement, on a dû arrêter le premier tour et forcément. Belle petite camp là, par contre. Ouais. Exactement, de Tuarip. Bon, bien joué, vite. Ouais, donc Tass n'a pas pu participer parce que tout simplement il n'a pas répondu à mes messages. On va dire que c'est un jeu solitaire ce gars-là. Il est toujours. Il a fait quand même une vidéo avec nous sur un zombie. Mais il n'avait pas de micro, il n'avait pas de Skype. Donc, bon, c'était comme ça. Bon, en tout cas, il a quand même participé à un de nos gameplays ensemble. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra qu'on fasse une vidéo sur le zombie de Black Ops 2 quand il sortira. Ah ouais, j'ai prévu ça, mais ouais. Shot là, oh joli. Là, c'était vraiment joli. Ouais. C'était super joli. Wow. Complètement à côté, Zid. Quand tu vas écouter cette vidéo, là, je te passe un message. C'était naze, ton couteau. Voilà. C'est juste pour... Je sais, je suis méchant, mais je veux être méchant avec lui parce qu'il m'a envoyé du modèle la dernière fois avec toi à l'italien. Mais... C'est dommage, franchement, c'est dommage. Ah là là, si vous auriez pu jouer encore ensemble là,
Toi, hésite. Jarmus, c'est tout le joueur avec, de toute façon. Pardon, j'ai pas du tout compris ce que tu as dit, parce que je crois que ça a bugué entre deux. Quelle arme ? Je sais toutes les maîtriser. Ah bon ? Ah ouais. Bon, écoute. Hein. Quand on est un geek comme moi, on sait tout jouer avec tout. Zit prend les grands moyens, il prend le smoke. On est à 29, attention, tu as rip, lui reste plus qu'un kill et Zit lui reste encore 10 kills, attention, tu as rip. Enfin, attention Zit surtout. Oh, bien joué. Il était en fitness, on va dire. Oh, le smoke, il était beau. Ah oui, il était beau, magnifique. Attention, tu aurais. J'ai l'impression que tu rip, en fait, il voudrait faire une kill cam avec le couteau de lancer. Parce qu'il avait deux occasions de le tuer, mais il ne l'a pas fait. Ah, c'est possible. Parce qu'il faut savoir que là, tu rip, il a plus qu'un kill. Et... Mais Zit peut remonter très vite parce qu'il a déjà, il est déjà à plus que 8 kills de la fin. Donc il faut, va falloir qu'il se dépêche. Oh! Ouh, et là, il a. Là encore, il aurait pu le tuer, mais ouais. Il a lancé son couteau, il l'a raté, et faire encore un 3-6. Ouais. On voit vraiment que Thierry n'a pas vraiment envie de faire une belle kill cam. Ouais, je pense et aussi. Et c'est pas un truc qui s'attarde trop s'il veut pas non plus se faire frapper. Ouais. J'espère qu'il va se réveiller, Thierry, qu'il va pas trop tarder. Parce que, ouais, il va faire une belle kill cam, mais... Allez, plus que 5 pour Zit, c'est rattrapable, mais bon. Oh, ça y est, un petit couteau de Tuarip, il a raté son couteau. Je pense qu'il en avait vraiment marre. Ouais, je crois. Encore le couteau qui passe pas ici. Hop, un petit couteau. Hop, ça... par l'arrière. Hop, tiens, vas-y, prends ça. C'est du tout cuit. Eh bien voilà, je pense que c'est encore un bon match qui vient de se terminer entre Tuarip et Zit. Eh bien, bah c'est Tuarip qui va en demi-finale, j'ai envie de dire. Ouais. Et Tuarip rejoindra Crane Overdose en demi-finale. On va même manger sur... Ah ben non, les demi-finales, pour finir. Les demi-finales, ça passe comment ? Tu fais une classe prédéfinie ou ils la choisissent eux-mêmes ? Alors, pour les demi-finales, j'ai pas encore trop réfléchi, mais je pense qu'on va faire ça comme ça. On va encore choisir les classes, parce que je pense que finalement, c'est assez sympa de choisir nos classes, et ça met un peu de piment, tu vois. Et pour la finale, en fait, déjà, j'ai laissé à tous les gens qui nous suivent sur le Facebook de choisir en fait la carte qu'ils veulent. Dès que ça sera la finale, je compterai le nombre de votes qu'il y a eu pour la carte qui a eu le plus de votes, quoi. Je prendrai la carte où il y a le plus eu de votes. Voilà. Donc, et puis pour les armes, on verra encore. J'ai pas encore trop réfléchi, mais pour l'instant, on est encore au quart de finale et on a encore. C'était le dernier. On va arriver. Entre le match entre Face et Face Lunatic et Sim Ronaldo. Et là, à mon avis, c'est deux gros joueurs qui jouent super bien. D'ailleurs, tu peux l'avouer, hein, l'italien, Sim Ronaldo, c'est quelqu'un qui joue super bien. Ouais, il a du niveau. Il a du niveau, exactement. Il t'a quand même battu. Hein. Il a quand même battu Abou qui pour moi je croyais qu'il allait aller au moins en finale, tu vois, mais même pas. Non. Si je dis ça comme ça, c'est vrai qu'il a du niveau, mais j'ai fait 2-3 matchs contre Sim Ronaldo en privé. C'est parce que ici il est quand même un peu filmé, sinon bien souvent il joue sans le radar, avec le silencieux et en mode campeur. Ouais, mais en tout cas, non, franchement, pour l'instant, j'ai envie de dire qu'il joue plutôt pas mal. Franchement, pour l'instant. Et je sais pas, mais entre Face Lunatic et Simon Ronaldo, il va y avoir une grande guerre. Parce que là, j'en dis pas plus, mais voilà. En tout cas, je te remercie à toi, Lorraine, d'avoir participé. Bah de rien. Et c'est avec un grand plaisir qu'on va se retrouver sur un autre gameplay.
Tout comme toi, je te remercie aussi à l'italien Y a pas de quoi. d'avoir participé. Et je remercie aussi à Thierry Plaisite d'avoir joué leur partie convenablement. Voilà. Et bon, bah, on se retrouve à une autre, sur une autre vidéo. Ciao, bye à tous. Bonne soirée. Salut. Ciao.